Bonjour, je m'appelle Hélène et je me promène. Ça fait 2 mois qu'on est en Thaïlande et notre visa est sur le point d'expirer. Heureusement, Penang est tout prêt. C'est le temps pour un visa run. Je vous emmène avec moi en avion. Ça va être un petit peu comme une visite guidée virtuelle. Alors, suivez le guide. C'est le comptoir d'AirAsia. Ça fait 1 demi-heure qu'on attend. C'est un monstrueux bordel. Ça s'engueule dans toutes les langues. C'est assez exotique. C'est un beau mélange de culture. Heureusement qu'on avait seulement des bagages à main. Ça a été beaucoup plus vite pour nous. On a évité les files d'attente. On a juste passé la sécurité et on est maintenant dans l'avion, prêt à décoller. On est en avion, on est en route vers Penang en Malaisie. On est parti de Bangkok en Thaïlande. On est sur un vol de AirAsia qui est une compagnie low cost. Je ne sais pas comment on dit low cost en français. Je vais chercher, je vais le mettre dans les sous-titres. Normalement, dans un vol international, il y a un petit repas d'inclus. Mais ici, il faut tout payer si on veut quelque chose. Donc ça, c'est notre menu payant avec plein de cochonneries, du junk food. Mais il y a aussi quelques repas. Donc le nasi lemak qui est un plat malaisien, le chicken rice qui est malaisien ou chinois, une lasagne. Un biryani végétarien de Hyderabad, ce serait mon premier choix. De toute façon, on n'avait pas besoin de manger parce que le vol durait à peine 2 heures. Donc voilà, on est déjà rendu à l'aéroport international de Penang, en Malaisie. On n'a pas besoin d'aller chercher nos bagages parce qu'on les a ici, j'ai mon sac à dos. On s'en va au Tun Tutan Bagasi. Donc voilà, maintenant on a des puces, on a des numéros de téléphone malaisiens, même si on est ici seulement pour 5 jours. Ça nous a coûté un grand total de 10 $ chacun. C'est super, c'est pas cher, c'est super commode et c'est souvent comme ça dans beaucoup de pays qu'on visite. 1 demi-heure plus tard, on est rendu dans les belles rues de Georgetown. Alors dans les prochaines vidéos, je vais vous faire découvrir Penang. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour voir toutes les vidéos et à bientôt! Le hall d'arrivée, c'est le balai que tu bannes.